J'ai plein de remerciements à vous présenter.
endormis. Les touristes ont remplacé les marins. Avec sa chanson qui raconte l'histoire de sa mère, Marie-Jeanne Gabriel, native de cette île soumise aux caprices de l'océan, Louis Capard fait revivre son passé de légende, évoque un pays qui, avec ses plages et ses champs, pouvait faire croire au paradis, mais où la peur et le deuil habillaient les femmes de marins. Voici Marie-Jeanne Gabriel. Sous-titrage Société Radio-Canada.
femme dans ses chansons. Il a chanté entre autres Les Sabots d'Hélène et Margot qui dégrafait son corsage. Le prénom Margot est en effet redevenu à la mode. Du 12e au 18e siècle, la plupart des filles, qu'elles soient princesses ou paysannes, étaient appelées Marie ou Marguerite. On connaît la reine Marguerite de Valois, épouse du roi Henri IV, qu'Alexandre Dumas a rendu célèbre avec son roman La Reine Margot. Depuis des siècles, la jeune fille qui traverse la Lorraine en sabots et qui rencontre trois capitaines est un thème récurrent dans la chanson française. C'est pourquoi il ne faudra pas vous étonner que dans cette chanson du 16e siècle, du compositeur Arcadio, Margot, l'amour et les vies, la jeune Margot rencontre trois capitaines en traversant la Lorraine avec ses sabots. Voici Margot, l'amour et les vies.
britanniques de Pologne furent déportés dans des camps de concentration. Après la libération de la ville par les soldats américains au printemps 1945, des scouts découvrirent des couloirs souterrains inutilisés depuis de nombreuses années sous de vieux bâtiments et qui avaient servi de refuge pendant 4 mois à 9 juifs qui ne bougeaient que la nuit à la lumière des lampes à huile et à qui des amis apportaient de la nourriture. Ils découvrirent, écrit en allemand sur un des murs, des mots porteurs de réalité quotidienne. Un reporter anonyme visita l'abri et les publia dans un journal suisse en juin 1945. Je crois au soleil malgré l'obscurité. Je crois en Dieu, bien qu'il soit silencieux. Et, en référence évidente au Nouveau Testament, je crois en l'amour du prochain, bien que ce soit impossible de se le dire. La traduction en anglais n'a pas été littérale. Ces 3 phrases sont devenues une sorte de poème de foi et d'espérance en l'humanité. Ce texte est devenu une sorte de poème universel. Je crois au soleil, même quand il ne brille pas. Je crois en l'amour, même quand je ne le sens pas. Je crois en Dieu, même quand il est silencieux. Mis en musique par le compositeur Marc Miller, il est chanté aujourd'hui dans le monde entier en souvenir des milliers de martyrs de l'Holocauste. Voici I Believe. I believe you saw.
Et c'est le Golden Gate Quartet qui fête cette année les 90 ans de sa création, qui a rendu célèbre ce gospel pour raconter la souffrance du peuple juif à l'image du peuple noir déporté en Amérique, au bord des rivières de Babylone, by the rivers of Babylon. En matière d'instruments à cordes, on est passé du clavecin au Moyen-Âge
au piano numérique. Avec un clavier piano, on peut produire désormais tous les sons. Jouer du saxo ou de la cornemuse, de la flûte ou du trombone. Bref, c'est un piano orchestre. On peut ainsi retrouver le plaisir d'écouter du clavecin, abandonné définitivement à la fin du 19e siècle. Notre pianiste, Philippe Rigulco, va vous interpréter un mix de piano classique et de clavecin, en mariant la musique d'Ennio Morricone avec la musique de Handel. Il la couvrit d'or et elle faillit devenir reine quand
La reine Margot et lui décidèrent de se séparer faute d'héritiers. Mais elle mourut avant, enceinte de son quatrième enfant, d'une crise d'éclampsie qu'on ne sut pas déceler à l'époque. Les Français pensèrent que la reine l'avait empoisonnée. Et, comme le déclarait Beaumarchais deux siècles plus tard, en France, on finit par des chansons. Une chanson raconta cette fausse nouvelle qui revient à la mode sous Louis XIV et qui est encore célèbre aujourd'hui après avoir été interprétée par nos plus grands chanteurs. Et nous sommes accompagnés pour ce roi qui a fait battre tambour, par Philippe le Buteau, au clavecin. Adieu mon espérance, puisque
anime la soirée. Il est l'auteur de belles chansons d'amour encore inconnues. Le propriétaire du lieu cherche son chien et le musicien improvise pour rire. Vous avez pas vu Mirza? Cette chanson marque le début de sa carrière. Pendant une dizaine d'années, il va composer d'autres chansons, cocasses, le téléphone et gornichons, tout en continuant d'écrire de belles chansons sentimentales, dont en 1974, le célèbre Sud, son plus grand succès, 1 million d'exemplaires vendus en France. En 1998, avant de se suicider, il a déclaré à son ami Richard Bennett, « Tu te rends compte, j'ai écrit, composé et produit près de 200 chansons, et les gens n'en connaissent que trois. » C'est une de ces trois chansons que nous allons vous interpréter ce soir, les Cornichons. Mais, ne vous y trompons pas, cette chanson dans le texte est une critique de la société de consommation et surtout par son rythme, sa musique, la preuve indiscutable que son auteur, Nino Ferrer, était un authentique et talentueux musicien de jazz. Voici les conditions. Oh.
Havre. Et c'est le titre d'un poème d'amour mis en musique en 1895, rendu célèbre au XXe siècle par les chœurs de l'armée rouge. Il a été traduit en de nombreuses langues. Un homme cherche la tombe de sa bien-aimée, mais l'âme de Zuliko, il la rencontre dans une rose, un rossignol et une étoile. Cette musique traduit à la fois une émotion due à la recherche d'un amour perdu et l'apaisement apporté par la nature. Zuliko. Ce chant de Noël nous rappelle qu'à l'origine, il était proposé pour être dansé.
Alors vous allez nous dire, c'est une drôle d'idée, au mois de juin, de chanter un chant de Noël. Pas vu le contexte climatique. On a tous que voici Mélanchico.
savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi une chanson, ça reste là. Eh bien, c'est parce qu'une chanson, en quelques phrases, en quelques notes, peut raconter toute une histoire. Par exemple, celle de ce peuple indo-européen qui a quitté son pays d'origine, au nord-ouest de l'Inde, au XVe siècle, pour venir en Europe, et qui est devenu, suivant les pays, les Roms à l'est, les Manouches à l'ouest, les Bohémiens, les Gypsies en Angleterre, et en France, les Gitans. Les Gitans, ce fut un succès des compagnons de la chanson. Ce soir, il est interprété par les compagnons de Châtillon. Anarchistes et révolutionnaires,
vont être inculpés et condamnés à la chaise électrique. C'était-il coupable ou innocent? Chez les simples citoyens et chez les gens célèbres, les avis étaient partagés. C'est le 23 août 1927 qu'a eu lieu l'exécution de Sacco et Vanzetti. C'est devenu un événement historique, resté dans les mémoires, car porté par des centaines de poèmes, de chansons, de pièces de théâtre, de romans, d'œuvres picturales qui ont voulu faire triompher, face à la peur, la haine et l'intolérance, la raison, la sagesse et l'impartialité. En 1971, pour le film de Giuliano Montaldo, c'est Ennio Morricone qui a écrit la musique et chacun d'entre nous se souvient de cette chanson interprétée par John Baez. Voici la marche de Sacco et Vanzetti. Sera associée au nationalisme japonais au point que,
Lors de l'occupation du Japon par les forces armées américaines de 1945 à 1952, la chanson sera interdite. Depuis, cette chanson elle a été interprétée par le pianiste de jazz Thelonious Monk, Scorpion, un groupe allemand de hard rock, l'orchestre de musique de chambre de Jean-François Coyard, et en 2000 par le duo de rap Dead Breath, et ce soir, en 2024, par les Champignons. Voici Room 9 of the Castle Rangers. Le poète Friedrich von Schiller écrivit un poème
donne à la joie. Bien qu'imprégné de foi religieuse, où la joie soit désignée comme ce qui fait tourner la grande horloge du monde, il y avait une déclaration sans équivoque. Vérité envers l'ami et l'ennemi, mal fierté devant le trône des rois, voilà frère ce qu'il faut, dussions-nous sacrifier nos biens et notre vie. 30 ans plus tard, Schubert mit ce poème en musique et en 1823, ce fut Beethoven qui à son tour s'en inspira pour le dernier mouvement de sa 9e et dernière symphonie. En 1970, il devint l'hymne adopté par le Conseil de l'Europe. Et en 1985, il fut adopté par tous les gouvernements en tant qu'hymne européen, symbolisant les idéaux de liberté, de paix et de solidarité incarnés par l'Europe. 4 ans plus tard, le 11 novembre 1989, 2 jours après la chute du mur de Berlin, le violoncelliste Rostropovitch joue de manière improvisée la suite numéro 3 de Bach, mais 1 mois plus tard, c'est à Leonard Bernstein qui fut confié l'exécution de l'hymne à la joie, qui ce jour-là fut baptisé hymne à la liberté.
signifie aller de l'avant. La double syllabe chancho est censée imiter le bruit du train en marche. C'est pourquoi ce chant, qui a été le chant de la lutte victorieuse contre la tempête, est devenu un véritable hymne national que l'on entend au cours des manifestations sportives en Afrique du Sud. Le geste que font certains choristes n'est pas celui d'une danse, mais celui d'un mouvement de colère. Pas de grand geste, mais de la fermeté. Il y a une communion entre les voix et les corps. Choloza.